Ok, bonsoir, bienvenue à vous tous. Maintenant, dans le souci pour continuer à aider Timonio Kelakayo, ou bien quelques autres monde qui est intéressé, elle est curieux. Et la fois dernière, on a essayé un peu de nos complexes. Maintenant, on va essayer de faire une petite définition de suite. D'accord? On va pas arrêter en pile, mais on va dire qui ça, suite là, en mathématiques. Bien entendu, suite là, il met dans l'analyse là. Il y a un côté, il fait suite là, et, en cours en particulier, à part entière, mais en général, il met dans l'analyse à son chapitre. Maintenant, on va dire qui ça, suite là, et même en mathématiques. Maintenant, suite. Pour ça, les suites numériques, d'accord, suite numérique. Ok, qui ça y aurait les suites numériques? En général, et pour tout le monde, si on a une suite de nombres, nous avons une succession de nombres, d'accord, avec des nombres qui viennent l'un après l'autre. Par exemple, si je peux prendre 2 et 4, ok, je prends 6, etc., etc. Ok, maintenant là, j'ai une suite de nombres. Mais en général, en mathématiques, lorsque vous avez une suite de nombres, vous pouvez venir, vous pouvez nommer une combinaison l'une après l'autre, dans l'ordre bien spécifique. Par exemple, vous remarquez, j'ai ici 2, 4, 6, donc, et le monde qui est intelligent, curieux, de la team de 4.8, etc., etc. Pour ça, tout, vous prendre une suite de nombres, 2, 4, et puis vous prenez 8, vous prenez 16, etc. Donc, ça veut dire suite de nombres là, et que nous allons venir d'une façon bien particulière. Et bon, l'ordre que ma pauvre dit qu'on y a là. Maintenant, en fait, l'ordre des suites en analyse mathématique, qui ça vous dit? Suite là, je prends comme étant une application. OK? Pour une application, il faut un ensemble de départ et il faut un ensemble d'arrivée. OK? Donc, pour une suite de nombres, on dit suite là, n'est-ce pas? C'est une application. OK? C'est une application. Maintenant, si on dit c'est une application, comme application, il faut que les gains aient un ensemble de départ, faut que les gains aient un ensemble d'arrivée. Et ensemble de départ, là, comment éléments d'ensemble de départ sont liés avec l'ensemble d'arrivée pour que nous voyons application? Eh bien, ça nous apprend l'analyse mathématique, c'est que y a une relation à forme application, il faut que chaque élément d'ensemble de départ là, gagne une image. Peu importe où il est tombé, mais il faut qu'il gagne une image. Eh bien, maintenant, comment on définit cela? Comme application, il dit d'une partie, n'est-ce pas? D'une partie i, n'est-ce pas, de n et dans r. OK? Voilà comment on définit une suite. D'accord? C'est une partie i, d'accord? Une partie i de n dans r. Bon, généralement, on peut dire aussi, la suite est une application de n dans r. On peut dire ça, il n'y a pas de trop de difficulté. Donc maintenant, et généralement, la suite, OK, cette application, si nous prenons par exemple u, une application, maintenant, je vais dire là, i dans n, d'accord? I est dans n vers r. On peut dire ça. Maintenant, pour toute n que je prends, d'accord, ici, dans cette partie de n, i de n dans r, eh bien, ça va associer un nombre que nous appelons un un, d'accord? Un un. Mais généralement, dans nos bouquins, pour nous, ouais, je mettais n dans r. Ce n'est pas grave si on met directement. Si on dit par exemple, au lieu de dire ça, on dit par exemple u, ou bien on dit un v de n dans r. D'accord? Ou bien à tout n près ici, associer un vn. On peut dire ça aussi. D'accord? On peut dire ça directement. D'accord? N directement dans r, à tout n, petit n, dans l'ensemble des entiers naturels. Ça associe un VN. Donc, on n'a pas de problème, on peut le dire également. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand vous avez une suite de nombres, on a ces relations-là. Bon, je prends la première. OK? Je prends la première. Maintenant, qui ça nous besoin qu'on ait? N. N, c'est un élément de l'ensemble des entiers naturels. OK? N, c'est un élément d'ensemble de l'entier naturel. Maintenant, qui ça relie l'entier naturel? Ça doit être clair dans la tête comme prérequis. Eh bien, ici, quand je dis N, ce sont des éléments, d'accord, de 0, 1, 2, etc., à petit n, ici. OK? Voilà. Par exemple, 1 million, 2 millions, 3 millions, etc., etc. Ce sont des nombres qu'on utilise pour compter, OK, généralement. C'est ça relie N. Ça veut dire N, ça, que m'y a là, li ka pran 0, li ka pran 1, li ka pran 2, etc. Mais quand moi injecter cette valeur N
dans suite là, le vilement bagaille les UN. Donc UN c'est une valeur de R. UN c'est une valeur de R, ça veut dire ça peut être négatif, ça peut être positif, ça peut être nul. OK? Donc maintenant, cependant, l'entier ici N ne saurait être négatif parce que ça appartient à l'ensemble des entiers naturels. Ça ne saurait être une fraction parce que ça appartient, ça veut dire ça ne peut être un demi. Ça n'a pas de sens. On n'a pas petit n ne saurait être un demi parce que ça appartient à l'ensemble des entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Ça ne saurait être moins 2. Ça ne saurait être 2,4, un décimal, non. D'accord? Ça veut dire N. N ne peut être 2,4. Ça veut dire, je ne peux pas dire U de 2,4. Non, ça n'a pas de sens, OK? Une quoi? Je ne peux pas dire U de 1,5. Ça non plus n'a pas de sens, OK? Ça n'a pas de sens. Ces choses, non? D'accord? Je ne peux pas dire non plus U de moins 2. Ça n'a pas de sens en mathématiques. OK? Parce que l'entier ici, N, un indice, U, indice N, petit n ici, se trouve dans l'ensemble des entiers naturels et les éléments de N sont quoi? 0, 1, 2, etc. C'est un élément positif. Entier, positif. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de fraction, il n'y a rien de décimal. Ça doit être clair pour tous les élèves de la LS3, donc globalement LS4 et d'autres étudiants curieux. Ça veut dire que je ne peux pas calculer U de 2,4, U de 1,5, U de moins 2. Cependant, je peux dire U de 3. Clair, parce que 3 appartient à l'ensemble des entiers naturels. OK? On a 3 ici. Je peux dire U de 0. U indice 0, oui, parce que ça se trouve ici. Je peux dire U indice 1, oui, d'accord, checker. Mais pour les autres, c'est faux. Ça doit être clair pour tous nos élèves, peu importe où vous êtes. Donc, une suite, c'est une application d'une partie I de N dans R. L'entier N ici appartient à N, cependant UN est dans R. Ça veut dire UN peut être négatif, UN peut être positif, UN peut être une fraction, UN peut être un décimal, peu importe parce que c'est dans R. OK? Ça doit être clair pour tous nos élèves, quel que soit à côté, regardez-nous, ça doit être clair. Ça ne doit pas déranger personne quant à la définition d'une suite. Cependant, généralement, on peut aussi définir la suite sur... Par exemple, sur n privé de 0, par exemple, on peut dire aussi U, d'accord, d'une partie I de n star, d'une partie I de n étoile, d'accord, dans R. À tout entier n pris ici, associe UN. Maintenant, je dis que maintenant, on est dans n star. N étoile signifie que c'est N privé de 0. Ça veut dire quand je dis N étoile, ou bien N star, c'est l'ensemble des entiers naturels, d'accord, privé de 0. Ça veut dire 0 ne fait pas partie. Donc c'est pourquoi si je veux dénombrer N étoile, je peux commencer par 1. Vous voyez, je commence par 1, 2, 3, etc. et à petit n. Tout à l'heure, j'étais dans n, donc dans n, on avait défini 0, 1, 2, 3, etc. à petit n. Vous voyez, quand on est dans n étoile, on commence à 1. Quand on est dans n, on commence à 0. Ça doit être clair. OK, juste avant de faire des calculs, maintenant, nous allons voir. OK, maintenant, quand on est dans n, si je compte, par exemple, je suis dans N. D'accord? Je suis dans N. Je commence à 0. 0, 1, 2, 3, etc. à 9. Maintenant, de 0 à 9,
Si on me dit combien d'éléments que j'ai là, de 0 à 9, vous allez me dire, eh bien, de 0 à 9, de 0 à 9, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, oui, dans 9, 9 là a fait 10. Donc, de 0 à 9, je vais avoir 10 éléments ou bien 10 chiffres. Donc, de 0 à 9, ça me donne 10 chiffres ou bien 10 éléments. D'accord? De 0 à 9, d'accord? Il y a des enfants qui n'arrivent pas à comprendre. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis je compte maintenant. Je vais compter maintenant. Je vais compter ces éléments-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, lorsque je compte de 0 à 9, je vais dénombrer 10 chiffres ou bien 10 éléments quand je suis dans N. Maintenant, lorsque je suis dans N étoile, je vais commencer par compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, je vais commencer par compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lorsque je compte de 0, de 1 à 9, je dénombre, d'accord, 9 chiffres. Eh bien, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on dit globalement? Globalement, si je veux généraliser ça, je vais dire, quand je compte, lorsque je compte de 0 à N, regardez, je compte de 0 à 9, je passe à 10. Donc, si 9 là, c'est N, donc on ajoute 1, ça fait 10. Eh bien, si je compte de 0 à N, donc on a quel résultat? Eh bien, on va avoir N plus 1 chiffre que nous allons appeler des termes. N plus 1 termes. Ça doit être clair. Parce que, regardez, je compte de 0 à 9. Donc, N, c'est 9. Or, j'ai 10 ici. On a ajouté 1. Eh bien, si je compte de 0 à N, c'est la même chose. Eh bien, N, j'ajoute 1. 0 à 9, j'ai 10. Ça veut dire que j'ajoute 1 sur 9. Eh bien, 0 à N, je dois ajouter 1 sur N. Ça va faire N plus 1. Ouais. Maintenant, c'est pareillement. Si je compte ici de 1 à N, eh bien, vous voyez, de 1 à 9, nous avons 9 chiffres. Eh bien, de 1 à N, on a N termes, ou bien N éléments. D'accord? N termes. OK? Ça veut dire de 0 à N, on a N plus 1. De 1 à N, on a N termes. Eh bien, c'est pourquoi, lorsque on a N étoile, ça dit N privé de 0, on compte de 1 à N. Lorsqu'on a N directement, on compte de 0 à N. Et lorsqu'on compte de 0 à N, on aura N plus 1 élément, bien terme. Et lorsqu'on compte de 1 à N, on va avoir N terme. C'est ça, en fait, le décor, si vous voulez maintenant comprendre les suites. Il faut commencer par saisir ces préliminaires, ces fondamentaux. D'accord? C'est la base. D'abord, nous résumons, nous disons qu'une suite est une application, d'accord, de l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels dans R, par définition, et à tout petit n, par exemple 0, 1, 2, 3, etc., 1, 2, etc., etc., que je prends dans N, ça va associer quelque chose que nous allons appeler une suite, d'accord, de termes, UN, U, indice N, ça se lit, ça se lit, ça se lit. U, indice N. D'accord? U, indice N, ça dit N, ce sont les éléments que nous prenons ici. D'accord? Ces éléments, si on est dans N, c'est 0, etc. On commence à 0. Si on est dans N, ça, on commence à 1, à N. OK? C'est fondamental pour comprendre ce que c'est là, E de suite. Eh bien, si tel est le cas, s'il faut comprendre ça, comme base, qu'est-ce que nous allons vous proposer? Eh bien, je peux commencer par définir des suites. Exemple,
Exemple, je peux vous dire, maintenant j'ai une suite UN, U indice N. U indice N, eh bien, je peux dire ça, ça dit, ça dépend du N. U indice N, ça dépend du N. Eh bien, je peux dire 2N moins 3 comme suite. Ça veut dire, cette suite-là dépend de N. Donc, ce sont les valeurs de l'entier naturel N que nous allons injecter ici pour trouver les termes de la suite. Maintenant, il peut y avoir deux cas. Il peut y avoir deux cas selon que petit n appartient à l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Premier cas. Deuxièmement, selon que petit n appartient à l'ensemble des entiers naturels, sauf 0. Eh bien, maintenant, si on vous dit de trouver les trois premiers termes de la suite, sachant que n appartient à l'ensemble des entiers naturels. Eh bien là, il faut comprendre. Maintenant, si on vous dit, question, n'est-ce pas question? D'accord? Trouvons par exemple les trois premiers termes, n'est-ce pas, de la suite UN, sachant que N appartient à l'ensemble des entiers naturels. Eh bien, lorsqu'on est dans l'ensemble des entiers naturels, on doit commencer à 0. Eh bien, si on veut les trois premiers, eh bien, le premier sera U0, le deuxième ce sera U1, le troisième ce sera U2. Eh bien, voilà. Regardez ici, je vais dire le premier terme, on va l'obtenir pour, n'est-ce pas, pour n égale à 0 parce qu'on est dans n. Eh bien, ça va nous donner U0, ça va faire 2 par 0, parce qu'on remplace n par 0, moins 3. Donc, 2 fois 0, ça fait 0, moins 3, ça va faire 0 moins 3, ça fait moins 3. Voici donc le premier terme. Le deuxième terme, on va l'obtenir, n'est-ce pas, pour n égale à 1. Et je vais avoir là U1, U indice 1, ça va faire 2 par 1, moins 3. Donc, 2 fois 1, 2, moins 3. Donc, 2 moins 3, ça fait moins 1. Le troisième terme va être obtenu, n'est-ce pas, pour n égale à 2. Donc, ça va faire U2, ça va faire 2 par 2, moins 3, moins 3. 2 fois 2, ça fait 4, moins 3, ça fait 1. Donc, maintenant, ça veut dire les trois premiers termes. Les trois premiers, lorsqu'on est dans n, on a U1, c'est un terme. Alors, U0, c'est un terme. U1, c'est un terme. U2, c'est un terme. Et ça fait 1, 2, 3 termes. Les trois premiers, lorsqu'on est, où ça? Lorsqu'on est dans l'ensemble des entités naturelles. Maintenant, si on est, d'accord, je dois écrire ça ici. Cela veut dire que U0, c'est moins 3 que nous encadrons. OK. U1, c'est moins 1 que nous encadrons. Et puis, U0, c'est combien? U0, c'est 1. Voilà. OK. Voilà. OK. Maintenant, si on est dans N étoile, maintenant, on veut les trois premiers termes, sachant qu'on est dans N étoile. Eh bien, voilà. OK. Maintenant, on va aussi calculer les trois premiers termes. Maintenant, cette fois-ci, on est dans N étoile. Et mais si on est dans N étoile, ça veut dire qu'on ne peut pas commencer à 0. Maintenant, on va commencer à 1. Et mais les trois premiers termes, on va avoir U1 comme premier, U2 comme deuxième, U3 comme troisième. Donc, ici, les trois premiers, parce qu'on commence, on est dans N étoile, on ne peut pas commencer à 0. Eh bien, ça va faire ici U1. Ça va faire 2 par 1 moins 3. Donc, ça va faire ici 2 fois 1, 2 moins 3. Ça va faire U1 égale à moins 1. OK? Voilà, parce qu'on est dans N étoile. U2 sera 2 par 2, moins 3.
Ça va faire 4 moins 3, cela veut dire U2 sera 1. Voilà. 4 moins 3, ça fait 1. Et puis U3, ça va faire 3. Alors 2 est 2 par 2 par 3 moins 3. Ça va faire 2 fois 3, 6 moins 3. Cela veut dire que U3 sera 3. Voilà. Donc les termes d'une suite dépendent de la façon dont on a compté. Est-ce qu'on est dans N étoiles? Ou bien on est dans N directement. Si on est dans N, on commence à 0. Les trois premiers, ça va faire U0, U1, U2. Ça fait 3. Mais si on est dans N étoile, on va commencer par 1. Les trois premiers, c'est U1, U2, U3. C'est ça que nous venons de faire là. Aujourd'hui, c'est une simple introduction pour vous montrer ce que c'est une suite en mathématiques. Par exemple, si vous êtes en NS3 ou bien NS2, vous entendez parler de suite mathématique numérique. Maintenant, je définis pour vous ce que c'est une suite correctement. Nous avons défini une suite comme étant une application. Et pour avoir une application, il faut avoir un ensemble de départ, il faut avoir un ensemble d'arrivée. D'accord? Eh bien, et les éléments de l'ensemble d'arrivée du départ doivent avoir un, d'accord? Un élément, ou bien ça va correspondre à un élément d'ensemble d'arrivée, ou bien il doit avoir une image d'ensemble d'arrivée, peu importe comment lier. D'accord? Il suffit que dans l'image. Bon, ça, c'est un autre cours d'analyse. D'accord? C'est comme si j'ai ça là. Bon, je ne sais pas, est-ce que vous comprenez tous et bien ces choses. Maintenant, 1, 2, 3, et puis j'ai ici, alors je mets ici X, Y, Z, et puis 1, 2, 3, 4. À quelles conditions on a une application? Il faut que chaque élément ici ait une image. Donc voilà. 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 OK? Ici, c'est une application parce que les éléments ici, chaque élément a une image. Cependant, s'il y a un élément ici qui n'a pas d'image, ce n'est pas une application. C'est ça que je viens de faire là pour une suite. Si je définis la suite de N dans R, eh bien, tous les éléments ici doivent avoir image dans R. Sinon, ce n'est pas une suite, quoi. Donc, une suite est par définition une application d'une partie I de N dans R. N peut être dans N étoile, ça peut être dans N directement. Ici, on est dans N, on va commencer à 0. Si je suis là dans N étoile, je vais commencer à 1, etc., etc. Si ça vous a aidé, peut-être essayez de partager pour les enfants qui sont à la maison, d'accord, qui passent généralement plus que 5 mois à la maison sans travailler. Maintenant, je mets à leur disponibilité ce petit cours, d'accord, pour les aider au moins à se rappeler de ce qu'est une suite. Merci beaucoup.